Je vous dis alors encore une fois bonsoir, bienvenue, un grand merci d'avoir dit oui à notre invitation. Juste pour cadrer un tout petit peu la chose, hein, le but de ce petit atelier n'est pas de faire un transfert de savoir-faire, à proprement dit. Donc, on ne parle pas vraiment d'une formation, mais plutôt d'une session découverte. Et le but, c'est de vous faire découvrir notre modèle de personnalité, le modèle de personnalité DISC, hein, de vous faire connaître quelques-unes de ses spécificités, de ses particularités, avant que vous puissiez juger pour vous-même comment il pourrait enrichir vos activités. Je suis Catalina, la représentante persologue en France. Même si j'écorche la langue de Molière, je vous assure que je parle couramment le langage DISC, que j'utilise depuis plus de 14 ans maintenant dans mes activités en tant que formatrice et coach, et en plus avec de très beaux résultats. Petite mauvaise nouvelle pour vous, si vous êtes venu avec l'espoir de pouvoir faire des petites choses à côté, un peu de cuisine, hein, ou quelques emails, désolé, ça ne va pas être possible, hein, parce qu'en fait, j'ai prévu plutôt une heure interactive, hein, donc je vous invite à une heure d'échange, de partage, de jeu. Donc, laissons de la place à la curiosité. Bon. J'avais préparé une activité, mais étant donné le numéro de personnes qu'on a, je crois qu'on va faire un peu plus simple. Question pour vous. Dans quelle mesure connaissez-vous déjà le modèle DISC? Moi, j'en ai un. Allez-y. Non, moi, je l'ai déjà eu en coaching d'équipe. Je l'ai déjà utilisé en coaching d'équipe, côté coaché, pas côté coach. OK. Et dans ma formation de coaching aussi, on nous l'a présenté, évidemment. Ok. J'aime le évidemment. C'est pas toujours évident. Non, non, disons que. Il Non, non, c'est juste que y a c'est parfois. quand même le plus simple et le. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnalités, enfin, il y a beaucoup ouais, il n'y a que quatre couleurs, quoi. Donc, c'est le premier qui nous a été présenté avec, bien sûr, une présentation Ok. rapide des autres. Ok. Merci. Pour vous, Florine, quel est le... Et effectivement, c'est une méthode qu'on entend de plus en plus parler. Moi, enfin, c'est depuis 2, 3 ans, auparavant, on avait d'autres, enfin, sur la partie, en tout cas, analyse de personnalité, on était plutôt sur leur process com, des choses comme ça. Et en fait, le OK. disque, voilà, je trouve, enfin, j'en entends de plus en plus parler parce qu'effectivement, ça semble être beaucoup plus simple, une méthode beaucoup plus simple pour identifier les personnalités. OK. Et je vois de la part de Caroline aussi qui nous dit qu'elle a eu comme outil lorsqu'elle a été coachée. OK. Ça me permet en fait de savoir quelle est l'ampleur d'explication qu'il est nécessaire de donner pour poser quand même un petit cadre. Je vais reprendre le partage d'écran. Bon, donc, quand on parle de notre modèle de personnalité, juste pour lui faire un tout petit peu la place parmi les autres modèles qui se retrouvent sur le marché, donc de quoi on parle concrètement? On parle d'un kit d'outils qui aide à identifier le style de comportement et de personnalité de la personne, ainsi que d'accompagner le développement de la personne. Donc, pour nous, c'est certes que ce n'est pas des outils juste d'évaluation, mais le point fort principal, c'est vraiment les outils que nous fournissons pour accompagner le développement. Autrement dit, j'ai découvert le style que j'ai. Ok, c'est merveilleux, mais qu'est-ce que je fais avec ces informations-là? D'où est-ce que je, comment je continue? Le modèle de personnalité s'appuie sur le modèle DISC classique. Au cas où vous ne le savez pas déjà, le modèle DISC classique a été décrit dans un premier temps par le psychologue américain William Walton Marston, qui dans son livre Emotions of Normal People, Émotions des gens normaux, il a décrit pour la première fois les quatre dimensions comportementales de base, dominant, influençant, stable, consciencieux, ainsi que, donc, il a fait ça dans la préoccupation, en fait, de trouver la réponse à la question d'où est-ce qu'on prend notre énergie et comment on la dépense en termes de comportement. C'était ça, à la base, la préoccupation de Marston.
Étant donné qu'il n'y avait pas de copyright sur son travail, c'est ça ce qui fait qu'en fait, à la base de ce modèle simple, peut-être trop simpliste, on pourrait dire même, qu'il a décrit, il y a plusieurs outils de personnalité qui ont été développés au fur et à mesure. Donc, il a écrit ce livre, comme je disais, en 1928. Donc, on a presque une centaine d'années qui a laissé de la place pour beaucoup de développement. Donc, ce qui fait que nous, on n'est pas les seuls à utiliser le modèle DISC. Donc, ce soir, j'aimerais qu'on voit d'un côté quelques particularités du modèle DISC tout pur, tant qu'il est, tel qu'il est utilisé dans tous les autres outils, mais aussi les particularités de notre modèle persologue, qu'est-ce que nous apportons de nouveau et de plus enrichi à cette méthode-là. Donc, notre modèle, il a été créé par un autre psychologue américain, John Geyer, qui, à partir des années 1970, il a commencé ses recherches, il a travaillé à partir de ces années jusqu'à la fin de sa vie, donc pour à peu près une cinquantaine d'années. À travers ses recherches, il a identifié les combinaisons possibles entre les quatre dimensions comportementales de base, parce que bien évidemment, quatre dimensions ne vont pas couvrir la complexité de la personnalité humaine. Il a créé aussi le questionnaire qui identifie le style de comportement. Il est arrivé jusqu'à la troisième génération du questionnaire, sachant qu'entre-temps, l'évolution, elle a continué et nous sommes à la cinquième génération de questionnaire. Et il a créé aussi les premiers outils qui aident à ce développement que j'avais mentionné, dont le plus connu, le profil de personnalité. Et l'aventure continue avec Persolog Allemagne. C'est la boîte qui a amené en Europe le modèle, en Allemagne et dans les pays allemands dans un premier temps. Entre-temps, donc à partir des années 90, entre-temps, nous sommes présents en 25 pays, les produits sont traduits en 25 langues, dont le français. Et ce que Persolog Allemagne a fait effectivement, donc ça a été de rendre une présence internationale à ce modèle, d'amener une amélioration, un développement continu. Nous sommes d'ailleurs en plein chantier, et d'ailleurs plusieurs chantiers à la fois. Tout évolue, tout change, mais dans le meilleur des sens. Donc, nous venons de changer la plateforme pour gérer les profils en ligne, les produits en soi sont améliorés à tout moment, des nouveaux jeux, des nouveaux profils qui apparaissent en continu. Donc, et plus que ça, il y a eu d'autres modèles qui ont été créés, comme le modèle de gestion de temps, le modèle de gestion de stress, le modèle de résilience. Donc, c'est des modèles séparés. Chaque modèle demande une certification séparée et consacrée, bien sûr. Donc ce soir, c'était juste pour que vous ayez un petit aperçu. Ce soir, on se centre juste sur le modèle de personnalité. Et alors, étant donné que vous me dites que le disque ne vous est pas étranger, on va passer très vite par ça, juste pour m'assurer qu'on est aligné en termes de connaissances sur le modèle, surtout qu'en fonction du modèle que vous avez pu connaître, ça peut être DISC Insight, ça peut être Thomas, ça peut être TTI, donc il y a plusieurs modèles, comme je disais. Il y a des petites différences en termes de quelles sont les couleurs qui ont été assignées, quels sont les noms qui ont été assignés. Et alors, je voudrais juste m'assurer qu'on peut aligner les connaissances. Donc, mais on ne reste pas plus de 10 minutes là-dessus. Donc, bref, quand on parle DISC, on parle de la réponse à deux questions. Comment je perçois l'environnement? Comment je réagis face à l'environnement? En termes de perception, je peux le percevoir de manière défavorable ou favorable. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je le perçois de manière défavorable, c'est que je pense en termes de défis, de risques, d'obstacles. Je m'attends à ce qu'il y ait des difficultés dans mon chemin. Si je le perçois comme favorable, c'est que je vois ou des opportunités,
tout simplement de choses qui ne me dérangent pas. Les montagnes sont très bien là où elles sont. Il n'y a pas ce besoin de les faire déplacer. Ensuite, en termes de réponse, comment je réponds face à cet environnement? De nouveau, deux types de réponses. Une réponse de type décidé, déterminé, ou une réponse de type réservé. Par quoi cela se traduit-il? La réponse de type déterminé se traduit par le fait que je me sens plus fort, forte que l'environnement. Et d'ici, comme vous pouvez le voir, c'est assez simple de venir et d'avoir la tendance de créer un changement dans son environnement, même de créer complètement son environnement. La réponse réservée se traduit plutôt par le « je me sens moins forte que l'environnement ». Et d'ici, comme vous pouvez l'imaginer, c'est un peu plus difficile de venir et de créer l'environnement, mais de plutôt de s'adapter, de se mettre en tant que soutien, effectivement de suivre plutôt l'environnement, peut-être de corriger, mais pas de le créer complètement. Et alors, c'est le mélange de ces quatre réponses qui nous donne les caractéristiques des quatre dimensions comportementales de base, dominant, influençant, stable et consciencieux. Chaque dimension aura, comme vous le savez, j'imagine déjà, des points forts ainsi que des limites. Dans la compréhension de notre modèle, les limites vont être l'utilisation en excès des points forts. Raison pour laquelle ça va être très simple qu'on explique le modèle ensemble. Moi, je vais vous fournir rapidement quelques points forts et ça va être à vous de me dire quels sont les potentiels points faibles que vous lui voyez. Démarrons avec la fin, avec le consciencieux. Donc, comment perçoit-il l'environnement? De manière défavorable. Défavorable, et il répond de manière Réservé. réservée. Voilà, donc ce qui fait qu'ici, on se retrouve avec un comportement orienté vers bien faire ce qu'il y a à faire. En fait, vous pouvez effacer ça, très bien faire ce qu'il y a à faire. Donc ici, on est plutôt vers la précision, vers la méticulosité. Si je cherche cette nuance de rouge corail, alors je vais travailler jusqu'à ce que je l'obtienne. Et ne me regardez pas comme ça, les détails, c'est important. Avec un esprit plutôt analytique, dans l'analyse de quoi? Dans l'analyse de la situation, des causes, des conséquences, des potentielles options pour les résolutions des problèmes, hein, avant de passer à l'action. Et aussi avec un grand respect pour ce qui est règles, normes, standards. Si on n'a pas de règles et de normes, qu'est-ce que l'on fait? On fait rien. Ou on ne fait rien, ou on les crée, parce qu'on ne va pas vivre dans ce chaos. C'est évident. Ici, on trouvera aussi la capacité de travailler et de se pencher sur ce qu'il y a à faire. Quand je dis travailler, c'est vraiment au sens large, ce n'est pas seulement au niveau boulot, mais de faire ce qu'il y a à faire sans que quelqu'un doive pousser et demander, exiger. Mais pourquoi? Parce qu'il y a ce standard interne de je fais ce qu'il y a à faire et je le fais bien. Et en plus, pas nécessairement dans le besoin d'être accompagné à faire ça. Voilà, de manière individuelle, là, je fais ce qu'il y a à faire. Que lui voyez-vous comme potentiel limite? Parfois une perte de temps. Parce que recherche de la perfection et donc Voilà. très analytique, donc on réfléchit beaucoup avant d'agir et on peut perdre du temps. Oui, effectivement, donc ça risque d'être chronophage. La recherche de la perfection risque d'être chronophage. Et surtout avec cette capacité un peu limitée à faire la différence entre ce qui mérite d'être fait à la perfection et quand est-ce que bien, ça suffit. Je ne parle pas d'un travail bâclé, mais la différence entre le parfait et le bien. Manque de créativité, peut-être. Je l'entends presque toujours. Je dirais qu'il est nécessaire de définir la créativité. Si par créativité on veut dire spontanéité, c'est vrai, c'est pas Oui. ici qu'on va la trouver. Ici, on va être plutôt dans le il faut être préparé.
On ne dit pas n'importe quoi, n'importe quand. On se prépare. Par contre, on peut trouver beaucoup de créativité. Pourquoi? Parce qu'il y a ce côté réfléchi dans l'observation, donc ce qui fait que je mets le temps pour vraiment comprendre ce qui ne fonctionne pas et d'imaginer, de bricoler une solution qui peut servir. Donc, ça peut être une créativité d'ingénieur, si vous voulez. Ça peut être même créativité de type écrivain. Les romans de 1500 pages, je vous assure, ça a demandé un style un peu consciencieux, même si, même un peu plus consciencieux, de voilà, s'atteler à la tâche et de nouveau de creuser, pas d'être, de rester à la petite surface. Voyons encore une limite et ensuite on passe à notre. Dans la relation aux autres, ça peut paraître très rigide. Ah oui, en effet. Pourquoi? Parce que ici on est dans le. C'est ici on fait comme ça. Pas dans le. On cherche les petits échappatoires pour contourner des règles. Non, ici on a des règles et on les respecte. Donc ça peut générer effectivement comme une sensation de l'autre côté, la rigidité. Ok, passons au style influençant. Bien sûr, il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses à dire, mais là c'est juste d'avoir un petit aperçu. Pour le style influençant, cette fois-ci, on est à l'opposé. L'environnement est perçu comme favorable et le style est de manière, la réponse est de type déterminé. Je me sens plus fort que les autres, mais dans le sens de l'environnement, c'est les autres dont je peux les influencer. Autrement dit, ici, on se retrouve avec quoi? Un comportement orienté relation, la banane. On est dans un style optimiste plutôt, donc si pour le style consciencieux on était dans la prévention des risques, ici on est dans le t'inquiète, ça va aller. Avec un style plutôt enthousiaste niveau langage, c'est assez facile de dénicher ce style parce que dans le langage de la personne, on va trouver beaucoup des mots qui sont plutôt des adjectifs un peu hyperbolisés. C'est top, c'est nickel, c'est génial. Vous avez jamais vu un modèle pareil. C'est ici qu'on trouve le côté spontané. Donc, avec beaucoup d'idées qui jaillissent, vous pouvez imaginer une fontaine, c'est juste qu'il n'y a pas de l'eau qui jaillit, mais il y a plutôt des idées. Avec son point À fort demain. Tu veux principal l'adresse? étant le côté persuasif. Donc, ici, il y a cette capacité d'aller vers les autres avec un côté charmeur, flatteur, pour bien relationner et bien persuader. Et aussi, ce qu'on trouve, on trouve un penchant pour la diversité. Ici, si on veut que les choses changent, pas parce que ça fonctionne plus, mais parce que c'est le moment de passer à autre chose, tout simplement. Que voyez-vous comme potentielle limite? Ne va pas forcément au bout Limite. des projets, dans le sens où il y en a toujours un nouveau qu'il faut démarrer. Exactement, quand il y a tellement de choses nouvelles et intéressantes. On va pas s'ennuyer à faire jusqu'au bout des choses. Donc, ça, mais en même temps, on le prend toujours avec le. Il y a le risque, hein, que ça se passe dans le comportement de la personne. C'est pas que la personne ne va jamais aboutir des choses. Quoi d'autre? Caroline, si jamais vous avez la possibilité d'écrire dans le chat, n'hésitez pas de le faire. Je suis le chat aussi. Du coup, peut-être un manque de précision et un manque de cadre à l'opposition de la personne qui est plutôt bleue et qui va regarder les règles, les normes. La personne qui est jaune fait un peu comme ça lui vient, quoi. C'est des détails. C'est des détails. Ouais, c'est ça. Effectivement, donc ici on se retrouve effectivement avec des perceptions assez opposées par rapport à l'attention qu'il faut mettre à certaines choses. Si pour quelqu'un avec un style influençant, on peut être dans le tout est important, pour quelqu'un avec un style influençant, peu de choses, très peu de choses sont importantes. Voyons encore une limite.
Est-ce que le fait d'être dans l'optimisme, dans l'enthousiasme peut générer comme potentiel limite? La fatigue, peut-être. Pour les autres. Ouais. Pas pour ça, pour les autres. Non, non, pour les autres, oui, c'est Effectivement, beaucoup, donc, quoi. ça risque d'être un peu trop, ça risque d'être un peu trop enjoué, trop dans la petite blague, trop dans le manque de sérieux perçu. De la même façon que pour l'autre, on était dans la perception de rigidité, ici, on va être dans la perception de ça manque de sérieux. Tandis que pour quelqu'un avec un style influençant, la personne va dire, c'est pas parce qu'on est au travail qu'on ne peut pas s'amuser, quand même. Et pour Caroline nous dit aussi manque de crédibilité, effectivement. Donc, il y a ce risque-là. Et aussi, tout est top. Hein, donc, ça risque de perdre le contact avec la réalité quand on est un peu trop dans l'optimisme. Passons au style stable. Qu'est-ce qu'il aura en commun avec le style influençant? Les deux auront cette perception comme favorable en termes d'environnement. Par contre, cette fois-ci, la réaction change en réservé. Donc, ce qui fait qu'on garde cette orientation humain, mais on n'est plus l'acteur sur la scène qu'on a eu avec le comportement influençant. L'acteur sur la scène qui a besoin d'un public et que le public applaudisse. Pour le style stable, ça va être plutôt la personne qui est dans les coulisses, la personne qui va aimer se mettre en support pour les autres, qui va aimer faire partie d'une équipe, mais pas de manière visible, pas dans la lumière, mais plutôt en tant que support, que aide. Le comportement stable est beaucoup de fois perçu comme fiable, dans le sens que c'est une fierté pour la personne de savoir on peut compter sur moi. Un comportement qui est beaucoup dans la recherche de l'harmonie, que tout le monde soit content. Avec un rythme plutôt constant. Calme. Ici, on avance lentement, mais sûrement. Voilà. Donc, si pour le style influençant, c'était important de bien changer les choses, en fait, pour le style stable, la routine, ça rassure. Faire ce que je sais faire, le faire bien, peut-être que pas au niveau de perfection que le style consciencieux, mais le faire bien et faire ce que je sais faire sans beaucoup de surprises, hein, ça rassure effectivement. Et de plus, on trouve ici un style qui est plutôt dans la chaleur, humainement parlant, dans la chaleur, dans l'écoute, je parle de l'écoute empathique, pas l'écoute de type j'ai été une formation, on m'a dit qu'il faut écouter les autres. Mais ça vient vraiment de soi. Que vous y voyez comme potentiel limite? Ben, peut-être que il veut tellement que les autres soient contents et donc on s'oublie un peu soi, peut-être. Prioriser les Ouais, priorisations des effectivement. autres. Effectivement, parce que quand on veut que tout le monde soit content, beaucoup de fois, on s'oublie soi-même. Caroline nous dit, la personne n'est pas exploitée à 100%. Je ne suis pas sûre avoir bien compris ça, mais je dirais plutôt que la personne risque de se faire un peu trop exploiter. Et reste trop discrète et oublie de ses priorités. Oui, complètement d'accord. Donc, comme je disais, c'est plutôt dans les coulisses, hein, et pas dans la lumière. Aussi, un autre aspect par rapport au côté je cherche l'harmonie, ça va être la difficulté de dire non, d'où ce que je disais avant, le fait de se faire un peu peut-être trop exploiter. Au niveau rythme, comment ça risque d'être perçu par les autres? Bah, du coup, c'est un peu comme la personne
bleu, mais pas de la même manière. C'est, on va tellement vouloir que tout le monde soit content, que tout soit harmonieux, etc., que ça peut prendre du temps aussi, ça peut être chronophage, pas pour des raisons de règles et de normes, mais pour des raisons de faut demander à tout le monde son avis, en fait. Ok, donc vous me dites que ça risque, en tant que manager, de partir un peu trop dans le démocratique. Hein. Oui, un petit Et, peu, oui. ok, Enfin, si on peut oui, en dire ça, effet. mais... Oui, en effet. Et je vois Caroline nous dit, elle ne délègue pas tout maîtrise. Hein. Pour le côté, ne délègue pas, c'était le cas aussi pour le consciencieux, mais pour des raisons différentes. Pour le consciencieux, c'est dans le je le fais mieux de toute façon. Et si je dois corriger après ce que la personne a fait, les boulettes que forcément elle fera, alors mieux le faire moi-même. Et pour le style stable, c'est un peu dans le, mais les pauvres, ils ont déjà tellement de travail, je ne veux pas les encombrer de plus. Voilà. Et si c'est à mettre une autre potentielle limite, ça va être la capacité à s'affirmer qui risque d'être un peu faible, hein, voilà, et la capacité décisionnelle qui ne va pas être à son point fort. Pour le dernier, le dominant, qu'est-ce qu'il aura en commun avec les autres? Avec l'influençant, cette réponse est-elle déterminée de type je me sens plus fort que l'environnement? En même temps, la manière de voir l'environnement en tant que favorable et défavorable de l'autre côté, ça change vraiment la manière d'agir. Un exemple très concret, disons qu'on était dans une salle de classe, là, voilà, juste devant moi, Lucie, et disons que je voulais sa chaise. Avec un style influençant, ça va être quelque chose genre, Lucie, ça vous dirait de vous déplacer un peu vers la droite, hein, où vous aurez une meilleure vue vers la salle. Donc, je suis dans le, je garde la relation, j'influence, je manipule même un tout petit peu. Tandis qu'avec un style dominant, ça va être, Lucie, changez de place, s'il vous plaît. Je dis s'il vous plaît parce que j'ai été bien élevée. Mais ça va être le maximum orientation vers l'humain qu'on trouvera ici. Avec le style consciencieux, ce qu'ils auront en commun, ça va être le côté je vois l'environnement comme défavorable, mais le style consciencieux, ça va être plutôt orienté étape du process, minutie, tandis que le style dominant, vers quoi il sera orienté? Les résultats. Le résultat, la vue d'ensemble. Donc, en bref, ici, on se retrouve avec un style qui est concentré vers l'objectif. Pas tout type d'objectifs, mais des objectifs ambitieux. Et avec un style audacieux, on fonce, tout simplement. On fonce, on prend des risques. Avec un style qui est plutôt dans le sûr de soi, déterminé, cash, direct, on dit les choses telles quelles, on prend les rênes, on prend des décisions rapides. Et comme je disais, on fonce. Quel potentiel limite lui voyez-vous? Un manque humain, un manque d'humain. Voilà, l'humain, il est très important parce qu'on a besoin des autres, mais ce n'est pas le côté empathie. Voilà, je prends vraiment du temps pour écouter, pour comprendre les ressentis, tout ça. Donc, on a un objectif. Caroline nous dit le côté autoritaire, effectivement. Donc, étant donné que la personne va être plutôt dans un style rapide dans la prise de décision, rapide dans le on met en œuvre, ça se transforme beaucoup de fois dans un style autoritaire descendant. J'ai pris la décision, je la transmets et on y va. Quoi d'autre? De la même manière, je pense que les normes et les règles sont des détails, un peu comme la personne qui est influençante. Avec les règles, il y a une relation très spéciale ici.
Si c'est moi qui ai un style dominant, qui ai créé les règles sont importantes et je m'attends que vous les respectiez. Par contre, ce n'est pas que je dois respecter les règles des autres si ça me semble que ça ne fait pas de sens. Donc, Caroline nous dit pas de place à l'échange, mais en même temps, Caroline, si la personne a raison, pourquoi échanger tellement? Franchement. Par les autres, comment elle risque d'être perçue? Comme une personne prétentieuse. Ok, ça peut être, on pourrait dire ça. Beaucoup de fois, c'est dans le côté direct en termes de communication qui peut être perçu comme un manque de sensibilité, comme trop direct, qui peut vraiment froisser parfois. Ou on peut dire même un peu trop, quel est le mot? Ça m'échappe pas. Ça va venir. Mais de toute façon, je me considère un peu mieux que les autres, quoi. Ok, donc on a fait un tout petit peu le tour. Comme je disais, c'est de manière très, très simpliste ce qu'on vient de décrire là. Et c'est plus que ça, c'est de manière très caricaturale. Hein. Donc c'est le style, chaque style en soi manifesté de manière pure et à 100%. Ça, c'est le disque classique. Maintenant, je vous propose qu'on jette un œil sur quelles sont quelques-unes des particularités de notre modèle personnologue. De quelle manière il enrichit le disque. Et j'espère qu'à la fin, vous aurez la même conclusion que nous, qu'il peut être simple, mais pas simpliste de toute façon. Donc oui, simple dans la compréhension, mais en même temps en respectant la richesse de la personnalité humaine. Alors, en ce qui concerne notre modèle, déjà, il décrit une vingtaine de styles de comportement. Donc, comme je disais, à travers les recherches, ce sont ces combinaisons-là qui ont été retenues et utilisées. Et quand je dis une vingtaine, donc je reviens aux quatre styles de base, nous utilisons des numéros d'entrée. Donc, pour le style dominant, ça va être le 1, influençant 2, stable 3, consciencieux 4. Et ensuite, nous utilisons 12 combinaisons de 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un style prépondérant et un style secondaire. Et en termes de combinaison, une de nos particularités, c'est le fait que nous employons aussi les combinaisons en diagonale. Donc, ces styles qu'on a vus de manière caricaturale et qu'on a vu qu'ils sont vraiment à l'opposé en termes de manière de se manifester, en fait, on reconnaît le fait que ça peut se retrouver dans la personnalité de la même personne. Donc, de type influençant, consciencieux, dominant, stable et l'envers. Et plus que ça, nous utilisons aussi quatre combinaisons de trois dimensions comportementales. Donc, d'où la vingtaine de styles de comportement. Est-ce que jusque-là, ça va? Oui. Oui, donc ça concrètement, en quoi ça se traduit? Le moment où la personne remplit le questionnaire, elle obtient bien sûr un profil hein, et le profil qui va lui correspondre. Désolée Florine, je vais vous mettre un tout petit peu en mute hein, Oui. tandis que vos collègues se disent au revoir. Donc le profil qui va correspondre va être un de ces 20. Donc, on ne va pas être seulement dans le ah, mais moi j'ai un style dominant, moi j'ai un style influençant, mais c'est plutôt quelles sont les combinaisons qui se retrouvent dans mon comportement. Donc, ça devient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus riche. Ensuite, juste un petit instant parce que j'ai ouvert par erreur une autre application. Voilà. Il identifie le comportement situationnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous ai entendu, par exemple, un peu avant Lucie, dire si la personne est consciencieuse. Hein, en fait, nous, on fait la distinction entre l'identité
je suis, elle est, il est, et le comportement. Je me comporte de cette manière, je me manifeste de cette manière. On fait bien cette distinction-là. Et notre modèle, on reconnaît le fait qu'il identifie le comportement qui, et le comportement peut être différent d'une situation à une autre, d'un contexte à un autre. Et alors, on va parler plutôt quel est le comportement manifesté dans ce contexte-là, par exemple en tant que manager. Je peux manifester un comportement, mais peut-être qu'en tant qu'épouse, que mère, que fille, j'aurai des comportements différents, ou en tant que coach, ou en tant que formatrice. Et alors, on va parler plutôt de comportement situationnel et pas d'identité. Quel est le but de tout ça, le but et la conséquence en même temps? Donc, pas de catégorisation. Chez nous, les personnes ne sortent pas de la salle en disant « Ah, bah, c'était chouette, j'ai découvert que j'étais dominante. » En fait, non, on revient. J'ai découvert que mon comportement prédominant est le dominant pour ce contexte-là. Et en même temps, on reconnaît le fait que si la personne change de contexte, elle peut changer aussi de prédominant de comportement. Est-ce que je suis claire dans ce que je dis? Une autre particularité, c'est que le questionnaire que nous employons, il est validé, autrement dit, il est passé par des études de fidélité, de validité, autrement dit, il mesure ce qu'il dit qu'il mesure et il le fait bien. À quoi ressemble-t-il? Bien sûr, on n'aura pas le temps d'entrer dans des détails, mais si vous êtes curieuse de tester le questionnaire, faites-moi signe, je vous enverrai un lien et il est tout à fait possible de le faire de manière gratuite. Alors, donc déjà, comme je disais, en remplissant le questionnaire, on choisit un contexte spécifique et on débriefe pour ce contexte. Si j'ai choisi le contexte en tant que manager, ensuite, je ne fais pas le débrief pour la vie perso ou en tant que commercial ou en tant que coach. On trouvera dedans deux pages, chaque page avec une vingtaine de cases, chaque case quatre options. On va choisir pour la première page, donc une option par case. Première page, ce qui correspond le plus à notre comportement. Deuxième page, ce qui correspond le moins en termes de ressenti. Il est disponible en format papier et numérique à la fois. Bien sûr, s'il est numérique, il peut être utilisé sur tout support informatique. Le résultat. Et là, on parle d'une autre particularité de notre modèle. Le résultat va être un profil. Donc, nous proposons plusieurs types de profils, personnalité, comportement, leadership, etc. Mais peu importe, donc quand je dis profil, c'est la restitution, le rapport que la personne reçoit. Mais peu importe le type de restitution. Toutes les restitutions auront ces trois graphiques. Et ça, c'est, comme je disais, une de nos particularités. Les autres modèles utilisent un graphique ou deux graphiques. Pourquoi nous utilisons trois et qu'est-ce qu'ils veulent dire? Le premier, image de soi publique, hein, ce que je veux renvoyer aux autres, c'est l'adaptation comportementale en termes d'intention, comme je veux être perçu par les autres dans l'environnement que j'ai choisi. Image de soi privée va être le comportement qui va être le plus proche de mon naturel, hein. Et c'est ce comportement-là qui va ressortir surtout en situation de pression. Pourquoi? Parce que j'aurai plus d'énergie pour mettre un masque. Donc, c'est ici, en tant que coach, par exemple, qu'on va explorer les croyances. Ce qui est important pour la personne, ce qu'elle va défendre si c'est le cas. Et troisième graphique, image de soi composée, le mélange entre le premier et le deuxième, ce que la personne essayera, entre ce que la personne essayera d'envoyer et le comportement qui est le plus proche de son naturel. Ensuite, il y aura beaucoup d'autres indications qui vont vous permettre de faire un débrief un peu plus approfondi. Là, je passe en revue juste quelques-unes, mais pour info, dans la certification, on dédie une session à part de 4 heures juste à la lecture des graphiques. Donc, juste pour que vous fassiez une idée de combien de choses on peut avoir, même en dehors de la restitution qui est offerte par le modèle. Donc, la petite ligne médiane qui nous montre entre 50% et 60%, qui nous montre si le comportement est considéré comme prédominant ou
comme moi manifeste. Ensuite, les deux lignes rouges qui nous montrent si le comportement est peut-être perçu comme un excès, comme c'est le cas ici dans le premier graphique, ou peut-être en dessous de la ligne rouge, peut-être comme pas assez manifesté, pas assez développé. Et ensuite, on aura beaucoup, beaucoup d'autres indications comme des graphiques atypiques où le tout est au-dessus, en dessous de la ligne médiane, des graphiques aux extrêmes, des graphiques très plats, des écarts très grands entre le deuxième, premier graphique ou au contraire du copier-coller du premier et deuxième graphique, etc. Donc là, je ne vous fais pas toute une histoire de ça, mais juste à savoir que il y a beaucoup de richesses que l'on peut avoir en termes de débrief à la base de ces diagrammes. Dites-moi s'il vous plaît si c'est bon jusque-là. C'est bon. C'est bon. Autre particularité, nous offrons vraiment une très large fourchette de profils pour accompagner le développement, ce qui donne aussi une large applicabilité. Donc, d'un côté, dans tout ce qui tient des formations qui touchent au relationnel, communication, leadership, vente, cohésion d'équipe, ça rentre très très bien sans forcer, sans être dans le jeune marteau, je cherche des clous. Donc, ça trouve vraiment de manière très naturelle sa place. Ensuite, dans le coaching individuel ou d'équipe, surtout tout ce qui tient cohésion d'équipe, c'est vraiment, ça marche de merveille. Aussi dans le recrutement, dans les bilans de compétences, par le biais d'un profil spécial que nous proposons, le profil de poste qui permet d'identifier les exigences comportementales d'un certain poste. Et ensuite, on fait le rapprochement avec le profil de personnalité, le résultat du profil de personnalité de la personne. Hein. Et aussi, possibilité d'accompagner des ados avec un profil spécialement conçu pour les 13-17 ans. Donc, ça veut dire beaucoup plus allégé niveau langage, niveau information offerte, etc. Et aussi, une très, très grande diversité de jeux, de livres qui vous sont mis à la disposition juste pour quelques petits exemples, et ensuite on va tester même un jeu. Des jeux pour vérifier la compréhension, pour accompagner le développement de type jeu de cartes si on l'utilise en format papier. Bien sûr, nous avons mis en place aussi une plateforme LMS qui permet d'utiliser de format numérique pour le côté distanciel. Ensuite, des outils de type photolangage, donc des cartes aux images avec des émotions générales, des émotions liées au temps, etc. Et aussi des livres dont le plus connu est acheté est le livre L'abécédaire de la personnalité. L'abécédaire de la personnalité et les outils de type photolangage sont les seuls qui sont libres d'achat, même sans être certifiés. Donc, ça permet en fait de passer en revue les quatre dimensions comportementales à travers des contextes de type management, relation avec le temps, en tant que commercial, en tant que dans la relation de couple, dans la relation avec les enfants. Donc, ça passe au-delà de la sphère. De la sphère professionnelle. Je vous propose qu'on teste un des jeux et comme ça vous pouvez vous faire une petite. On fait d'une pierre deux coups. D'un côté, on vérifie un tout petit peu à quel point j'ai été claire dans les explications et de l'autre côté, vous pouvez aussi voir à quoi ça ressemble. Je vais me mettre tout de suite en partage d'écran. J'aurai besoin par contre qu'une d'entre vous, d'une bénévole, hein, pour qu'on puisse continuer. Qui veut bien prendre la main? Bah, je vais y aller. Ok. Alors, je vous donne le contrôle à distance. Juste un petit mot pour que je dise de quoi il s'agit. Donc, on a en haut les quatre dimensions comportementales, dominant, influençant, stable, consciencieux. Côté gauche, on a des critères comme attitude face aux décisions à prendre, gestion de l'information, organisation préférée, etc. Côté droit, on a des petites cartes qui sont amovibles. C'est à vous de discuter et de décider sur laquelle des colonnes ça appartient, donc auxquelles des quatre dimensions comportementales ça appartient. Et une fois que vous avez pris la décision, vous lâchez la carte, tout simplement. Donc voilà, moi, je
Je fais plus rien. Vous avez 7 minutes. Il n'y a que moi qui le. Donc je le fais. On le fait à plusieurs? Bon, on peut En parler, fait, hein. ouais. Vous discutez. Ah non, 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 on vous abandonne pas. Bien sûr, ça Ah. existe. Hein. Et de nouveau, Caroline, si vous êtes toujours avec nous, n'hésitez pas d'écrire dans le chat. Hein. Ah oui, en plus, il faut mettre. Parce que déjà, il y a la question de la couleur. Oui, après, il faut mettre dans Ouais. le. Bah, Oui, donc. est-ce que c'est dans l'organisation préférée ou. Oui, donc le critère se met en orange. Donc ça signifie que ça appartient Ah, à ce d'accord, ok. critère-là, mais c'est Ah, juste très à bien. décider la Ah, colonne. d'accord. Je vous mettrai en bleu, mais. Oui, car moi aussi. Par la voie basse et se met rapidement Rapidement sur. la pression. C'est vert, je pense. A du mal à prendre des décisions. Alors, Vert ou vert bleu. ou bleu? Eh ouais, je. Après, on peut les bouger de toute façon, donc on Oui, peut allez, mettre en vert je vais et mettre en puis. vert. Ouais. Et Créer rapidement. rapidement des liens et le cas c'est décontracté. Ça, c'est le jaune. Jaune. L'efficacité, le bleu. Ah ben. Le rouge, peut-être? Ou sinon, c'est vert, je sais pas. Moi, je sais pas. Rouge, Ah, parce que le côté. le rouge, oui, Oui. l'efficacité, oui. Je vais Calmement, réfléchir. c'est qui? On a noté calme. Le calme, c'est le Et du coup, vert. pour le vert, ouais. Ah, ou le bleu, c'était peut-être le bleu. Suivant les informations au lieu de les lire. Jaune ou rouge. Le jaune. Ouais. Aime les solutions rapides, Rouge. accorde peu de temps à l'écoute. Bleu, je dirais. Vérifie la méthode d'approche, l'arbre lui cache la forêt. C'est-à-dire. Bah, c'est-à-dire qu'un mini truc Ah, bleu. bleu. Bah, en fait, je suis pas sûre de comprendre Moi, laquelle. jaune ou jaune? Laquelle des deux affirmations? Vérifie la méthode d'approche, c'est dans le. La personne est dans le pourquoi. Pourquoi on fait comme ça? Quelle est la logique? Quelle est. Ah, Pourquoi? oui, Okay. Et l'arbre lui cache la forêt, c'est dans le je m'arrête sur des petits détails et ah j'ai oui, bah peur de c'est ça vivre alors. le rouge Voilà. ensemble. N'aime pas les structures trop rigides Et. jaunes. Mais du coup, jaune, c'était pas dans organisation préférée? Parce que c'était ça qui se mettait en orange, non? Ah, ça c'est Le. A. Alors. N'aime pas les structures trop rigides, ouais. Ah oui, j'ai mal vu. Oui, effectivement. Je suis désolée, j'ai quelqu'un qui sonne. Je reviens. Mise beaucoup sur les relations. Après, ce qui est personnel. C'est dans quoi? C'est dans les relations interpersonnelles. Le vert. La flexibilité, aime les discussions intéressantes. Jaune. Je suis de retour. Je mettrai en jaune. Ouais, mais les discussions intéressantes, c'est pas. Ah si, sont quand même c'est Ah oui, non, mais si c'est ça. Ouais. sociable, ouais, pour la partie so quand même sociable. N'aime pas les informations détaillées. Ah. C'est pour ça que survolent Le les rouge ou informations. le jaune, ouais. Ouais, parce que je l'aurais mis en jaune, lui. Ouais, bah alors survol les informations, c'est rouge, je pense. Ah, où c'est le houlou? Je sais pas. Là, C'est bien c'est là. subtil. Hein. Analyse avant de s'engager dans quelque chose. Oh, le bleu. C'est bleu, ça.
Pareil, décontracté, la tolérance se laisse vite déborder. Jaune, du coup. Prudent dans ses relations, plutôt formel. Bah, rouge. Rouge? Ou bleu. Ou bleu. Ouais, bleu. Peut-être bleu. Ouais, je sais pas, ouais. Ouais, effectivement. On peut pas la mettre sur le côté. Ouais, on changera si le Ouais. augmente Augmente. engagement, attitude face à présent, on s'énerve rapidement. Oui, là, c'est le dominant, je Oui. pense. Et patiente envers les autres, planifie pour éviter les surprises. Enfin, planifie, oui, mais bon, Ah, pas. je mettrai en vert, non, et je changerai. A besoin de réfléchir calmement, en bleu, non. Ah oui, c'est vrai. C'est horrible. C'est rouge. S'engage S'engage rapidement. rapidement, retarde l'entrée en action. Un rouge nouveau. Jaune. Comment comprenez-vous cette Bah, carte, bah, s'engage que, rapidement? parce qu'il va dire tout de suite oui, mais ensuite, quand il s'agit de faire, il n'y a plus personne, quoi. C'est le projet est bien, mais après, le concret et Ah, comment. c'est le jaune alors, non? Ouais, moi je le comprends comme ça. Aime écouter, prendre des notes. Bah, le vert. Il reste que lui. Ouais. Peut être en harmonie avec l'entreprise vert. Bon. Oui, ça c'est cohérent, rouge. Et Hein. voilà. Ça nous Bon. semble pas trop mal. Est-ce votre dernier mot? On n'a pas Oui. rimé, mais on va dire que oui. Ok, alors on appuie sur évaluation, corriger. Ah, bah ça va. Bah, c'était, oui, mais écoutez, prendre des notes, c'est le bleu. Qu'est-ce Le qui bleu. vous a fait faire ce choix-là? Bah, pour moi, ça veut dire que les quatre sont pas bons là? Ça ne correspond pas à la solution proposée par le modèle. Ah, Je ne ok. dis pas que vous vous trompez, mais c'est pour ça que je demande quel a été votre raisonnement. Bah, besoin d'informations spécifiques, c'est le côté précision pour moi, donc c'est pour ça que je pensais que c'était là. Okay. Le vert, parce qu'il y a l'écoute, il y a la partie écoute. Donc c'est Okay. une verre, voilà. C'est Donc, qui est quand même qui prend compte son environnement. quand je disais, vous ne vous trompez pas. Effectivement, le A besoin d'informations spécifiques pourrait correspondre très bien au consciencieux aussi. Ici, c'était plutôt pour le stable, dans le sens que a besoin d'informations spécifiques, c'est la réponse à la question comment. On a un merveilleux projet, tout va se passer de merveille. Et la personne avec un style stable qui a besoin de comprendre, OK, mais comment ça va se passer? Décris-moi les étapes, rassure-moi. Et c'était dans ce sens-là. Mais ça peut passer très bien en consciencieux aussi, donc vous n'avez pas tort. Et ici, aime écouter, en fait, on ne comprend pas comme l'écoute empathique, hein, mais c'est l'écoute par rapport à la gestion de l'information. D'accord, oui. Oh, et là, survol les informations de le lire et n'aime pas les informations détaillées. De nouveau, vous avez raison. Ça, c'est juste question de très, très petites nuances. Mais en fait, niveau gestion de l'information, les styles dominants influençants sont assez proches en termes de manifestation. Donc, D'accord. bravo, bravo, bravo. Comment avez-vous trouvé l'activité? Moi j'aime bien, c'est assez intéressant, ça permet de mettre les choses en perspective. Après, il faut faire attention justement de ne pas tomber dans la catégorisation, mais sinon c'est bien. Donc, en fait, c'est vraiment dans l'idée de permettre à la personne d'échanger. Là, on n'a pas eu le temps, on a fait de manière très, très rapide. Hein. Mais sinon, on donne vraiment l'espace pour les échanges, pour expliquer le pourquoi derrière, pourquoi moi je trouve que c'est comme ça, pourquoi toi tu trouves que c'est d'une autre manière. Et ce n'est pas dans l'idée de trouver la solution parfaite, mais vraiment pour favoriser l'échange et pour donner un peu plus de clarté sur. J'ai en face de moi un client, par exemple, j'ai en face de moi un collaborateur, d'avoir un peu plus de clarté sur comment la personne
se comporte et pourquoi, quel est le pourquoi derrière, en fait. Donc, c'est plus dans le je comprends les comportements, j'accueille les besoins qui sont derrière, pas dans le il est stable. Ah oui, c'est clair qu'il fera comme ça. Non, pas du tout. Et là, vous avez gagné le droit de passer au niveau supérieur. Vous avez vu qu'il y avait deux jeux de cartes. Donc, dans le cadre de la certification, vous avez la possibilité d'explorer ce jeu en intégralité, mais aussi deux, trois, quatre autres jeux encore plus complexes. Avez-vous des questions? Non, si ce n'est les tarifs. OK. Donc, niveau tarif, on a tarif pour le coût d'exploitation. Vous savez très bien que pour utiliser ce genre de modèle, on passe déjà par une certification qui donne le savoir-faire dans l'utilisation et aussi le droit d'utilisation. Et ensuite, une fois certifié, bien sûr, les profils s'achètent. Donc, je vais commencer par le coût d'exploitation. Une fois certifié, combien ça vous coûte, hein, d'utiliser les profils? Il y a plusieurs types de profils, donc je ne vais pas faire toute une liste, mais juste pour que vous ayez une idée. Le profil de personnalité qui est au cœur du modèle, pareil, le profil de leadership, il est en termes de prix de vente vers le client final à 72 euros. Vous, en tant que formatrice certifiée, vous aurez toujours une remise de 50% par rapport au prix de vente au client final. Donc, vous l'achetez avec 39 euros. Voilà, donc ça vous permet de vous faire en fait un petit calcul de rentabilité, combien de profils, grosso modo, après une utilisation de 50 profils, le coût de la certification sera à 100% amorti, juste par la passation des questionnaires. Et là, parlons certification. Donc, en termes de certification, nous avons créé trois niveaux de certification. Niveau 1, c'est pour les formateurs, nous l'avons appelé formateur débutant. Pourquoi? Parce que au coach, ça ne va pas convenir. Ça ne donne pas accès à suffisamment de profils, d'outils personnels pour satisfaire quelqu'un qui est accompagné en tant que coach. Par contre, si on est formateur, si on débute, si on ne veut proposer que des petits ateliers de 2-4 heures et ça, il n'y a pas d'intérêt de creuser vraiment en termes de personnalité, d'intention, de croyance, etc., alors ça peut convenir. Et alors, dans le niveau 1, qu'est-ce qu'on a mis? Trois sessions qui vont couvrir la compréhension des quatre comportements DISC, la compréhension des 16 styles composés, donc la vingtaine au total, comment animer des petits ateliers basés sur le DISC, et en termes d'accès aux outils, c'est juste l'accès au profil de comportement qui reste, comme je vous disais, à la surface. Et le petit jeu que vous venez de voir, Personnalité en action. Donc, ça se passe en trois modules de 4 heures à un prix de 1490 euros. Une fois qu'on est coach, je suggère de commencer directement avec le niveau 2, formateur coach, qui, en plus de tout ce que je viens de dire, va proposer l'accès et le savoir-faire au profil de personnalité qui permet de débriefer avec la personne sur cette étape de découverte. Ça veut dire quoi? Débriefer sur les intentions, sur les croyances, sur le stress potentiel adaptatif qui va être généré de l'écart entre le deuxième graphique, premier graphique, mon naturel et ce que j'essaie de montrer, le comportement en situation de conflit, le comportement au sein de l'équipe, hein, donc ça donne beaucoup, beaucoup plus de sources de débrief, le profil de leadership qui est très approprié pour toute personne en situation de management, que ce soit management de proximité ou top management. Et ensuite, beaucoup d'autres jeux et d'autres outils comme des guides stratégiques, cartes Nintendo, etc. Et ça se passe au total dans 6 modules de 4 heures à un prix de 2490 euros, 2500 euros pour faire simple. Et il y a aussi le niveau 3 qui est dédié vraiment au coach. Par contre, je
ne suggère pas de partir directement sur le niveau 3. Pourquoi? Parce que ça donne trop de profils tout d'un coup et à la fin, ça risque qu'il y ait cette sensation de j'ai tout et rien compris à la fois. Alors, ma suggestion, c'est de partir sur le niveau 2 et après un petit moment, 6 mois, 8 mois, donc ça dépend vraiment de chacun d'entre vous, de comment vous utilisez vraiment les outils. De passer, donc c'est juste encore deux, il y a encore 2 modules de 4 heures à couvrir et de le faire à un autre moment après. En termes de format, donc tous les formats vont comporter une session de cadrage en amont d'une heure. On se connaît, on pose le cadre, on fait l'inventaire des outils qu'on va utiliser, etc. Pour que le moment, quand on démarre la formation, ce soit juste sur la formation et qu'on n'ait plus des soucis logistiques à gérer. Une session de suivi qui est prévue de manière gratuite de 2 heures, 3 heures après la formation et aussi un travail individuel intersession. D'où le fait que les formations se passent en format en ligne synchrone. Donc, c'est via Zoom, c'est toujours synchrone et ça permet d'une session à une autre d'intégrer ce travail individuel. Sinon, donc on avait renoncé au format présentiel bien avant la pandémie parce que, comme je disais, c'était ces sensations de trop plein à la fin. Après 2, 3 jours de formation, c'était trop. Vous recevrez une licence internationale valable à vie, 50%, comme je disais, remise pour l'achat des produits Persologue, avec la possibilité de les proposer dans vos devis au prix de vente recommandé, accès à la plateforme de gestion de profit online qui vous permet d'acheter et de gérer vos projets en toute autonomie, avec notre support si vous avez besoin, mais sans dépendre de nous. Accès à tous les outils qui vont être développés sans payer quelque chose de plus. Support vraiment illimité au fil de temps et plus que ça, nous avons mis un système de tutorat, intervision, supervision, c'est un mélange un peu de tout. Nous avons appelé ça Persolog Alumni Meetups et nous nous rencontrons chaque mois en général ou sinon, c'est vraiment. Si on réussit pas tous les mois, c'est tous les 2 mois maximum. Et ça, c'est de nouveau de manière gratuite pour qu'on se retrouve et qu'on pratique ensemble, qu'on discute des nouveautés, qu'on introduise les nouveaux produits ou qu'on discute de vos cas figure, tout simplement. Voilà. Et les prochaines dates prévues sont le premier, donc pour l'année prochaine. Pour cette année, c'est déjà clôturé tout ce qu'on a eu en cours. Mais la prochaine démarre en 2024, le 1er février, et la deuxième, le 4 avril. Hein. Oh, et j'ai mis là, je vous enverrai cette présentation. Donc, vous avez accès vers le calendrier de formation, pour voir toutes les formations prévues. Avez-vous des questions? Non, pour moi, c'est tout bon. Merci beaucoup. Pour moi aussi. Si, comme je le disais, si vous avez la curiosité de tester vraiment les outils, les questionnaires, de voir de plus proche les profils qui vont être générés, faites-moi signer ou je vous envoie un lien vers le questionnaire et ensuite on peut caler un rendez-vous en privé, débriefer et discuter plus largement. D'accord, Si. merci. Alors, avant qu'on se quitte, est-ce que vous pourriez me dire un mot qui évoque pour vous l'expérience de ce soir? Couleur. Couleur, ok, merci. Pas bonne du tout à ce genre de choses donc. Vraiment. Heureusement qu'on ne cherche pas la perfection ce soir. Je sais pas, avec quoi vous repartez, disons. Avec rien, c'est une réponse Non, acceptable. non, 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 c'était, voilà, plus voilà, plutôt, voilà, je dis, voilà, plutôt des questions et peut-être, voilà, peut-être, voilà, l'envie d'amorcer une démarche.
Voilà, Des effectivement. questions, des Oui. questions, c'est très bien. Merci beaucoup. Et Caroline nous dit a envie de creuser. Et alors, moi, je vais dire bonne et belle énergie, pour laquelle je vous dis un grand, grand merci. Et j'espère bien, à très, très bientôt. Si vous n'êtes pas inscrite dans notre logiciel et vous voulez la présentation que j'ai utilisée, envoyez-moi un message avec votre adresse mail, s'il vous plaît. Je vais arrêter l'enregistrement.